Oh là là, cette lumière. Hein, c'est une chance hein, quand même. Je m'appelle Barbara Soya. J'habite en Limousin. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et je suis heureuse d'habiter en Limousin parce que j'adore la nature limousine, sa générosité. Voilà, il y a des cadeaux tout le temps, partout. Alors moi je fais de la sculpture, principalement je travaille la terre, c'est du modelage de terre. Alors en fait le choix du modelage et de la terre, ça remonte à une bonne vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, parce que j'ai découvert comme j'étais à l'aise et détendue avec ce matériau. Alors en fait, je n'ai pas suivi d'école, mais j'ai baigné dedans depuis toute petite parce que ma maman était peintre-sculpteur, maître verrier. Et le fait d'avoir été auprès d'elle, en fait, ça a été mon école, ça a exercé mon œil. Ça, et puis ça m'a montré que la création, c'était naturel, puisque pour moi, c'est devenu quelque chose de naturel et d'évident, puisque je l'ai toujours vu faire. Donc voilà, c'était plutôt ça mon école. Toucher l'argile, la contacter, c'est se mettre un peu en contact avec aussi le silence, aussi j'essaie de rentrer au plus profond de moi pour aller y piocher l'essentiel. Essayer de le traduire, de traduire surtout ce que je reçois, ce vers quoi je tends. C'est souvent une action de grâce. Oui, ça me plaît dans le sens qu'elle est malléable comme nous, je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur nous en permanence, on est là pour ça. Voilà, je crois qu'on est là pour travailler sur nous, jusqu'à comprendre des choses, les rectifier petit à petit. Il y a plein de boulot sur la planche. Moi, il me plaît beaucoup ce boulot sur la planche qu'on a, à essayer de se rectifier, à essayer de comprendre, d'ouvrir, de s'élargir, de servir au mieux. Et j'ai l'impression que ce matériau, eh ben, il est parallèle comme ça à ce travail qu'on peut faire sur nous.
c'est un besoin de grandir, un besoin de m'approcher de la source d'où l'on vient, de la retrouver, d'aller vers. Je pense que plus on se perfectionne, quoi, plus on essaie, et plus on atteint ce qu'il y a de plus beau en nous, et chacun l'a, chacun a ça. Et plus on l'approche, meilleur c'est pour nous. C'est un élixir délicieux. Je vais vers toi comme la nuit vers l'aube. Alors là, je trouve qu'il y a tout là. Toute la confiance. Voilà, la confiance. Ça, c'est tellement important, la confiance.